Ma Mission TV, le miroir du monde. Il dit, capitaine, tu es où? Je dis, je n'aime pas me demander comme ça. Pose la question. Elle dit, yo Rachel, là je parle à la soirée comme il disait, on pose à la capote. Je dis, non, Nazo Kende, église. On t'a pas donné l'ordre de me donner l'argent? Je dis, non, je n'ai pas cet ordre. Oh, il faut me donner l'argent. Je dis, ok. Comme les consignes est que si on t'envoie l'argent, prendre l'argent chez moi, il faut que le général lui-même m'appelle. Après, moi je te sers, je suis trésorier. Ok. Je lui ai dit que tu appelles le général, tu m'appelles. Yo, va rater, ma vie, je pars à l'église. Tu vas quitter à quelle heure, ma vie, je pars à l'église, vers 19h30, on va terminer. Je suis parti, arrivé à l'église, je voulais entrer, l'appeler encore. Yo, Rachel, jusque là, on ne t'a pas encore appelé. Je dis non. Dans côté de l'église, on a pris le téléphone. Maintenant, quand je suis fermé le téléphone, on a terminé la prière à 19h. Seulement l'église, j'ai vu le numéro de le colonel Moukala, il m'appelle. Rachel, tu dis quoi? Jusqu'à présent, je vais te quitter l'église. Yo, kakate, ça, non, plus, ça, non, bon, la zone, ça, là, merci. Après 5 minutes, j'ai vu le téléphone du général, il m'appelle. Oui, mon général. Je viens de quitter l'église. Ok. Va servir au colonel Daniel Moukala, $3,200. Merci. Alors, arrivé, j'ai dit, mais là, c'est là, j'ai là. Les autres détails là, qu'il a donnés avant moi de la contacter, ce sont des balivernes. Et puis, le montant dont il me parle, à moins qu'elle confonde, moi, il m'a remis 2500. Voilà les deux détails que je voulais préciser là-dessus. Et Raïs, dont vous avez dit hier, ici, c'était dans quel bureau précisément? Et qui était là, à part vous et l'auditeur général? C'était le lieutenant-colonel Ndaka. Il était sur place là. Quand le président appelle, le général Kwande l'a fait sortir et nous étions restés à deux. Ah, il l'a fait sortir? Oui. C'était dans le cabinet de qui? De Ndaka ou bien de l'auditeur général lui-même? C'était dans le bureau de Ndaka. C'était dans le bureau de Ndaka. Oui. Donc Ndaka est sorti. Oui. Et il vous a laissé ensemble. Exactement. Et Ndaka était en train de vous auditionner. Oui, c'était pendant mon audition. Là, le général Kwande était dans son bureau. C'est lui qui nous a rejoint dans le bureau du colonel Ndaka. Et quand il est entré, c'est en ce moment-là qu'il a reçu l'appel. Et il a fait sortir le colonel Ndaka. On est resté à deux. Merci, c'était juste. Zaraki boy, mon père est le boss on gagne assez. Y'a zo que t'as fait dans Zoland, y'a zo qui t'a scalé. Et puis y'a où l'ambassade? Mais l'ambassade qui n'a bureau. Est-ce qu'elle a dit la bureau bien pour qui t'as gagné? T'es, est-ce qu'elle est dans la bureau? Mais ah, où tu colles pas mon gars, le boss on, puis mon père et puis nos amis. T'es mon colonel. T'es. Reprendre ce qu'on m'a mis à gagner. Pour qui m'a gagné? Dans le pays boy. T'as dit le boss on justice. Nanzambe nanga zokoyokanga. Na koki kokosa likambo ya munene boyete azali mokonzi na ngai. Na koki kokosa na likambo te. Ngai moko na kombo ya Nzambe. Le payant pour moi. Le payant c'est quelqu'un qui a sauvé le général Johnny. Je considère que c'est son ami. Vous comprenez? Et que quand lui me dit que Tchebeya est là, ça ne pouvait pas m'interpeller outre mesure, dans la mesure où je ne savais pas ce qui était caché derrière. C'est sur un rendez-vous que vous avez fixé avec lui. C'est lui qui a fixé rendez-vous. C'est lui qui a fixé le rendez-vous pour recevoir. Bref, vous apprenez quand même de Milambo que Tchebeya est là, mais bon, vous sortez sans les rencontrer. Est-ce que lui, Tchebeya, étant déjà arrivé au bureau du général Johnny Nungi, il est avec le commandant de sécurité du commissariat général. Il est déjà arrivé là. Malgré que moi, je lui ai dit... Déba, organisez-le, moi, Tchebeya. Il s'est aux enlèvements, Déba. Cette réponse, là, mon frère, on a pu dire. Est-ce que vous avez Vous avez qui n'a
Est-ce qu'il ne va pas m'indexer parce que j'ai semblé être contre? J'ai semblé naviguer à contre-courant. Est-ce qu'il ne va pas m'indexer? Alors je me dis, bon, il faut quand même que je me rachète. Je fais quoi? Je pose le problème et que les autres m'ont dit. Comme ça, je vais profiter de l'occasion pour voir son attitude. S'il va raconter, comment dirais-je, décrocher ou pas. C'est là que je l'ai appelé pour lui parler de leur requête. Et après, il me dira qu'il va suivre sa caissière. Quelle est la nature de la requête? Leur requête. Leur requête. Christian et Jacques Mugabo m'ont dit ceci. Le général nous a donné mission de tuer Tchebeya. Nous sommes sur le point de l'exécuter. L'argent avait été disponibilisé pour cette mission que nous sommes au point d'exécuter. Combien d'argent? Il me parle de 40 000 dollars. On a remis à qui? Au colonel à l'époque, Jean-Claude Yard, actuellement général, commandant, chef d'état-major général adjoint OPS. Moi, je dis, Tchebeya va mourir, doit mourir. Je dis oui. Moi, je lui dis, ne faites pas ça. Il me dit, parle au général. Il semblait mécontent. Pourquoi? Parce que lui, Christian m'a dit. D'ailleurs, Tchebeya devrait mourir bien avant. Parce que lui, il est tireur d'élite. Oui, mais quand il me raccroche au nez, cela ne veut pas dire que comme il est notre chef hiérarchique. Cela ne veut pas dire que s'il y a un problème, je ne peux plus l'appeler. Je suis obligé de l'appeler. Et il n'y avait pas que le problème de Tchebeya. Il y avait aussi d'autres problèmes. Vous vous souviendrez que... S'il vous plaît, monsieur le président, vous allez vous en souvenir que j'étais président de la commission mixte de sécurité. Et en même temps, j'étais président de la commission tolérance zéro. Ce sont deux commissions distinctes, différents l'une de l'autre. Et j'ai traité beaucoup de dossiers et des dossiers assez importants. Mais lui, quand il est arrivé à la police, il a commencé à tout. D'abord, il nous a interdit qu'on ne doit plus, l'argent ne doit plus transiter directement par notre direct. Je continue, s'il vous plaît. C'est très important, monsieur le président. Très important. Il a commencé à nous donner que 5 000 dollars. Pour toute la République, il détournait. Non, ce qui justifie son comportement, de refuser quelque chose de beaucoup plus professionnel. Moi, demandé d'abord, est-ce que dans ton téléphone, il y a le numéro du général et du numéro? Je lui dis, oui, il faut effacer ça. Je dis, je ne peux pas effacer ce numéro. Alors, pendant qu'on partait vers l'auditorat militaire, si je ne me trompe pas, le général Johnny Mugabo avait appelé deux voix. Et le général Bondé avait appelé deux voix. Parce que la façon dont il parlait, vous allez comprendre qu'il parlait avec le général Johnny Mugabo. Parce qu'avant d'arriver à l'auditorat, je l'ai entendu en train de dire au général Bondé, on n'est pas loin, on est tout près. Mission TV, le miroir du monde. Nous nous retrouvons avec l'honoré confrère Elie Mikaï, maître Étienne Lomiela, les avocats au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Mulumba Kabeya honoré. La République comparée par son conseil, maître Tinto. A rencontré l'adjudant Bang, correct? Oui. La première rencontre s'est faite où? Du général Djadjidja. Et cette rencontre, et la seconde, c'était où? À l'inspection générale de la police. Entre ces deux rencontres-là, ça a pris combien de temps à peu près?
Ça peut prendre même 2 ans ou 1 année et demie. Pendant ce temps, vous vous appelez pas? Non. Pas de rencontre? Non, pas de rencontre. Par rapport au lieu d'enterrement de du chauffeur de Tchébéa, M. Bazana, vous avez dit avoir appris cela d'une part de la bouche, non, 3 fois. Un, de Kenga Kenga, correct? Oui. De Djadija? Oui. Et de Banza? Exact. Et rafraîchissez cela à l'intention de la Cour, dans quelles circonstances, et puis nous allons faire venir le renseignant Banza. La première personne qui m'a révélé ça, c'est Christian Ngoyi lui-même, à la maison avant de partir. La deuxième personne qui m'a révélé ça... Dans quelles circonstances il vous l'a dit? Comment? Il faut le décrire. C'est-à-dire quoi? Je l'ai déjà dit que Christian voulait qu'on parte ensemble. Parce qu'il a dit l'ordre de m'exécuter avant de partir. Si réellement Christian avait besoin de m'exécuter, il ne devrait pas me dire. Du fait qu'il me l'a dit, il n'avait pas besoin de m'exécuter. C'est en ce moment-là qu'il m'a révélé. Qu'il m'a révélé que vous vous souvenez, nous étions partis à Mitendi, aller voir les parcelles. C'est là où on a enterré les chauffeurs de Djébé. Ça, c'est un. Je ne sais pas si vous voulez avoir d'autres précisions par rapport à la révélation de Christian Gaulle concernant l'enterrement. Si vous avez d'autres informations. C'est ça. Il m'a dit seulement ça. Et moi, je me souvenais qu'on est allé à Mitendi inspecter le parcelle, parce qu'ils avaient besoin d'acheter une parcelle là-bas. La deuxième personne qui m'a révélé, c'est Banza lui-même. Je l'ai déjà dit, de quelles circonstances il me l'a dit. Si Alako voulait avoir d'autres précisions, je n'ai pas d'autres précisions. Il me l'a dit quand Christian Ngoyi l'avait appelé pour venir me voir et lui remettre de l'argent. J'ai déjà expliqué comment j'avais refusé. La troisième personne, c'est le général Djadija, le jour de mon arrestation à l'inspection générale de la police. Parce que c'est lui qu'on avait envoyé pour venir me récupérer à l'inspection générale et m'amener à l'auditorat. Bien. Renseignant Djadija, vous connaissez celui qui est à côté de vous? Oui. Vous l'avez connu où et quand? Je l'ai connu, c'est dans le cadre d'un professionnel. Il travaillait au commissariat général. Quel rapport vous aviez avec lui dans le cadre professionnel? Moi, j'étais souvent réquisitionné par la police. Et quand il y avait la commission, la grande commission de sécurité. Vous l'avez déjà reçu dans votre conseil, dans votre parcelle à Mitendi? Non. Milambo. Dans sa parcelle à Mitendi? Oui. En dehors de Mitendi, on s'est rencontrés presque régulièrement, moi, Christian et le général Djadija. Régulièrement. J'insiste là-dessus régulièrement. Même chez lui, à la maison, on partait et mangeait. Et dit, on n'est allé qu'une seule fois. Dans quel cadre? C'est lui qui a appelé Major Christian. Et on vend les parcelles là-bas. Venez, on va partir ensemble. Et lui ne savait pas que j'étais ensemble dans la voiture, ensemble avec le Major Christian. Dans sa voiture. Et c'est le major Christian qui m'avait demandé est-ce que tu peux m'accompagner à Mitendi. J'ai dit oui. Et nous étions partis. C'est lui qui nous indiquait d'abord les lieux. Passez comme ça, passez comme ça, passez comme ça, passez comme ça. Et il est venu nous accueillir à l'entrée, après le barrière. Parce que quand vous partez vers le bas Congo, les barrières, c'est à droite. Il nous a. Et c'est reçu là-bas et il nous a conduit à sa concession.
Oui, à la concession, oui. Et là, vous avez rencontré qui, à part lui? Non, monsieur le président. Il n'est jamais venu. Amitaine dit non, monsieur le président. Ok. À cette rencontre-là, vous avez vu qui? J'ai rencontré trois personnes. Et parmi les trois personnes, c'est le général qui est ici, qui nous a présenté Banza. Parce que Banza était Mouloubakati. Voyez votre frère Mouloubakati Banza. Et on a commencé à parler avec Banza en Kiloubakati. Parce que Christian aussi parle très bien Kiloubakati. Vous n'avez jamais été avec lui? Jamais, monsieur le président. Major Moulambo. Mon colonel. Vous pouvez préciser, c'était en quelle année? Ne me trompe pas, si ce n'était pas en 2008, ça peut être début 2009. Et vous avez commencé à parler avec Banza? Oui, avec Banza. Et vous vous disiez quoi? Tendez-vous! Portez armes! Immobile! Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de la police d'audience, adjudant-chef Laurent Edima Freddy. En façon, mon colonel. Armoire. Il y aura une interdite que les partis civils contre les prévenus ici à Poy. Le commissaire supérieur Mwekenda Kenda Christian, le commissaire supérieur Akiapol Mwilambu Londo et le commissaire Jacques Mugabe. Poursuivi pour détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion de cette Poy. Fait à Kinshasa le 9 décembre 2021, le colonel Bondé Baba préfet du siège. Contre commissaire supérieur Mungoi Kenga Kenga Christian, commissaire Jacques Migabo intimé. Commissaire supérieur adjoint Paul Mwilambo et Londo. Présentez-vous à la barre. Réponds. Vous êtes assisté? Oui, il est assisté. Commissaire Jacques Migabo. Conjointement avec Maître Ben Fumbi. Yakou vous fait lecture PV de sommation du prévenu. PV de sommation faite au prévenu Ngoï Kenga Kenga l'an 2021, le 10e jour du mois de décembre. Vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga Kenga en détention à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu à Kinshasa, régulièrement cité, refuse de comparaître devant la haute cour, siégeant dans la cellule de la dite prison. Nous, sous-signé colonel Bondé Egbawa Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la cellule de la dite prison, donnant sommation au prévenu précité, lequel a refusé de comparaître. Enfin de quoi, avant de dresser le procès verbal en présence des agents ci-dessus, capitaine Moussassa, détention sécurité, capitaine Mungi Lancele, CD prison Ndolo. Revenez Milan, vous avez opté pour parler en français, c'est ça? Oui. Avant que nous passions à la confrontation, nous voulons, la cour voudrait avoir certaines précisions. Vous aviez dit que le jour, le 1er juin, vous avez reçu à travers
Boy Kenga Kenga, Monsieur Tchébéa, c'est ça? Oui. Et il est resté plus ou moins 2 heures dans votre bureau. Exact. Pendant ces temps, je dis bien, pendant ces temps-là, avant que qu'on vienne le récupérer. De la police. Quand vous dites aux environs, il était là ou bien il était sorti et puis il est revenu? Parce que quand il est venu déposer Tchébéa, il était sorti. Il était sorti de mon bureau. Oui. Et là, je ne peux pas préciser s'il était dans les dans l'enceinte de l'inspection générale de la police ou il était en dehors de l'enceinte de l'inspection générale de la police. Là, je ne peux pas donner de précision. Ce qui est vrai est que, après avoir déposé Tchébéa, il est sorti de mon bureau. Dernière audience, certains documents ont parlé de ce qui s'est passé à l'affaire Boudou de la Congo. Où avez-vous reçu ce document-là? Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis un officier des renseignements. C'est un dossier qui me concerne. Il y a la mort d'ordre. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ces rapports que je vous ai remis. Est-ce que lorsque M. Tchébé était dans votre bureau, il vous a parlé de cette affaire? Est-ce qu'il vous a remis un document? Qu'est-ce qu'il avait entre ses mains? Non, dans ses bras, il avait beaucoup de documents. Mais quand j'ai parlé avec lui, il n'a pas fait allusion des massacres des bandits en Congo. On parlait seulement des divers. Le 1er juin, vous aviez l'habitude. Est-ce que vous saviez que l'inspecteur général allait venir ou pas au bureau? Mardi, de 9h à 14h, et le vendredi, de 9h à 14h. Donc, du fait que c'était les jours où il reçoit, j'avais la certitude qu'il va venir. Mais il était déjà 17h. Oui, il était déjà 17h. C'est comme je vous ai dit la fois passée, que lui, il peut recevoir par canal du major Christian, même en dehors des heures de service. Il y recevait toujours les gens. Bien. Est-ce que le colonel Moukalaï avait un bureau à l'inspectorat général? Oui, le colonel Daniel avait un bureau. Il avait un bureau là-bas? Oui. Et ces jours-là, il était au bureau? Oui, ces jours-là, il était au bureau. Vous l'avez vu? Vous avez quitté le bureau à quelle heure? Moi, j'avais quitté le bureau à 20h. Et lui, il avait quitté le bureau à quelle heure? Mais quand Floribert Tchébéa m'avait demandé de l'appeler, c'était aux environs entre 17h et 18h. Le collègue de... Donc, M. Floribert Tchébéa vous a demandé d'appeler monsieur le colonel Moukalaï. Oui. Et vous avez fait? Je l'ai fait. Est-ce qu'il est venu le voir? Non, il n'était pas venu le voir. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Lui, le colonel, il m'a dit en bon, c'est comme si quelqu'un il était surpris de lui apprendre que Tchébéa est dans mon bureau. C'est ce qu'il m'a dit et il est sorti. Bien. Moi, frère. Voici votre frère Mouloubakati. C'est en ce moment-là qu'on a fait connaissance avec Panza. Et on s'est même échangé le numéro que j'ai jusqu'à présent. Et vous avez dit qu'il était adjudant? Oui, il était adjudant parce qu'il nous a présenté l'adjudant Panza. Alors, est-ce que vous pouvez, à l'intention de la haute cour, décrire un peu Panza? Il était comment? D'abord, il est même taille que moi. Il est noir, mais il ne peut pas me dépasser la longueur. Mince, gros. Non, presque même taille que moi. Presque même corporation. Oui, presque même taille que moi. Et d'après ce que vous avez
constaté, puisque vous étiez arrivé sur place, il résidait là-bas, il habitait là-bas. Oui, il y résidait là-bas, parce que le général Djadji Djamas a dit que c'est lui qui garde cette parcelle. Dans la parcelle, vous dites qu'il y avait une maisonnette. Oui, il y avait une petite maison. C'était un hangar ou bien une maisonnette? C'était une petite maison, si je pense bien, c'était une chambre. Une chambre. Donc à part Babanza, vous dites qu'il y avait encore une ou deux personnes. Oui. Et on vous avait présenté ces personnes? Non, 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 non. Il s'est focalisé à nous présenter Banza seulement. Seulement Banza. Oui. Et vous avez pu parler avec Banza? Oui. Est-ce que vous avez eu par la suite l'occasion de revoir ce Banza? Oui. À quelle occasion? Après l'assassinat, Banza est venu me voir dans mon bureau. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Banza, à partir de Lubumbashi, Christian Ngoï l'a appelé. Parce que Banza réclamait quelque chose de la part de Christian Ngoï. Et Christian Ngoï lui a dit, non, passez au bureau de Mouilangwe, il va vous donner quelque chose. Et à l'entrée principale, si ma mémoire est bonne, c'était toujours Mouilangwe qui était là et qui l'a fait entrer. J'ai reçu Banza. J'ai dit, Banza, qu'est-ce que vous venez faire? Il dit, non, je viens de la part de Major Christian Ngoï. Et ça, c'était combien de jours après? Après l'assassinat de Chevier. Non, si je pense bien, c'était entre les 7 et les 10, à cet écart-là. Donc il est venu à votre bureau? À mon bureau, oui. Pour vous dire quoi? C'est-à-dire, j'ai dit que Christian Ngoï l'a appelé passer oui, au bureau des Major. Oui, quand il est arrivé à votre bureau, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il cherchait de l'argent. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, c'est la question que je lui ai posée. Je dois te donner de l'argent sur quelle base? Oh, Christian Ngoï m'a trompé, il va me donner quelque chose par rapport au travail qu'on a fait. Maintenant, il est parti à Lubumbashi. Il m'appelle pour venir chez toi. Doucement. Allez-y calmement, parce que ce sont des éléments dont nous avons besoin. Donc, entre le 7 et le 10, d'après vous, d'après ce que vous dites, Banza est venu à votre bureau. Oui. Envoyé par Kengakeng. Oui. Pour demander de l'argent. Oui. De l'argent pour quoi? Pour le travail qu'ils ont fait. Pour le travail qu'ils avaient fait. Oui. À l'inspection générale de la police, le jour des événements, le jour où Tchibéa avait été assassiné, est-ce que vous aviez vu Banza? Non. Alors, maintenant, lui, il vient vous demander de l'argent pour un travail que lui aurait fait. Vous lui avez posé la question de quel travail? Mais je lui ai posé la question, il m'a relaté des faits tels qu'il est. Alors, qu'est-ce que vous pouvez reprendre à l'intention de la haute pour ce que Banza vous avait dit? Il m'a parlé, c'est lui qui a creusé les trous dont Banza a été enterré. Donc, Banza vous a dit que c'est lui qui avait creusé le trou, oui, dans lequel on avait enterré Banza. Sans toutefois citer le nom de Banza, on a enterré quelqu'un. Et il vous a précisé que c'était la nuit du 1er ou 2. Il m'a précisé que c'était la nuit du 1er. Revenez, Migabo. À la barre. Oui, monsieur le directeur général, vous avez la parole. Vous étiez reçu dans combien de bureaux? Alors, la conversation des Raïs dont vous avez dit hier ici, c'était dans quel bureau précisément? Et qui était là, à part vous et l'auditeur général? C'était le lieutenant-colonel Ndaka. Il était sur place là. Quand le président appelle, le général Kouane l'a fait sortir et nous étions restés à deux. Ah, il l'a fait sortir? Oui. C'était dans le cabinet de qui? De Ndaka? Ou bien de l'auditeur général lui-même? C'était dans le bureau de Ndaka. Ah, c'était dans le bureau de Ndaka. Oui. Donc Ndaka est sorti. Oui. Et il vous a laissé ensemble. Exactement. Et Ndaka était en train de vous auditionner. Oui, c'était pendant mon audition. Là, le général Pond était dans son bureau. C'est lui qui nous a rejoint dans le bureau du colonel Ndaka. Et quand il est entré, c'est en ce moment-là qu'il a reçu la paix. Et il a fait sortir le colonel Ndaka, on est resté en deux. Merci, c'était juste.
Olobaki, la dernière fois que... C'est maman et la pitaille. Chebea, Baela, Bakita Kinaye, Batuboni Bazala Kiwa. Colonel Daniel Christian Namilambo. Colonel Christian Namilambo. Colonel Daniel Christian Namilambo. Bautina Bamoni, Bautina, Bureau Nae, Bakiti. Là déjà la Kuta Kiwana va terminer. Là? La Kuta Kiwana déjà la réception. C'est ça qui est dans la durée à problème. Je suis un peu plus de temps. Tango bapesi yo chebea. Bazaki bazaki libanda una kati ya sale ya reception. Bazaki na sale. Ya sale. Pana kati te. Na kati ka soko okoti na kati ya reception. Okomura porte okoti deja reception. Mse zane te wana biska mobali. Eske oyebi jansi mulamu? Eh bien, très bien. Eske tango bapesi yo chebea batumisa tu yotu utanga. Eske jansi ya zareki wana ki jansi wana? J'en suis à Zaraki Mupanzi. Mais avant l'opération, j'en suis à Zaraki Mupanzi. Tu es na place où PCO, on dit PCO Chebeya. Oui. Tu as dit que tu es un lobby. Est-ce que j'en suis à Zaraki Mupanzi? J'en suis à Zaraki Mupanzi. Tu es un Chebeya. Mon problème est la précision à j'en suis. Mais tu es un lobby parce que j'en suis à Zaraki Mupanzi. Mais tant que tu es un Yé Chebe, yo zaki na batuboni, na tunayo ya osaki exécution na... Na zaki na Doudou, Saddam, na Jepa na Brino. Bon, avant bo me maye, bo tiye na kati ya mutuka. Bo salaki ye, bo yon yon opération mi ya to kagule, bo kagule pila chine mba. To kagula ki ye na mutuka, to zwaki tango apesi ye, mutu ye. To zwaki ye, to tiye na mutuka. Doudou a kagay kaka na mutuka, to demare do kei. Précision Zaboy. Kagulo wana botia ki Chebeya. Ezaki na kati ya mutuka o avant bokota na mutuka. Après mon colonel tango de komi na garage na hangar. Devis ka to sala da ka opération. Asio o o ka mo français parce que to to ya zo. Na kono wana linga. Na zo yo pale. Boko vola linga la se mena. O ye a comprendre oui. Bon, o ti ko ka resi ya ya prevenir mi garde. Sur la dengue papessa qui y est chevé. Réaction de la monsieur Zandirine. La réaction de la parole. Tokita qui va tomber ça tout. Ngaï Christian, le colonel Daniel Mukalaï, a aussi. La loupa qui a engoqué le colonel Mukalaï, a zalaki wanate. Ngaï même pour quitter la réception, n'a quitté quitté. A zo tâtonné. Au temps où a zo loupa, salle, salle d'attente. Salle d'attente des awanate. Salle d'attente des amours, c'est ça. Tout ça n'a des salles d'attente. Ce qui est au lingui au com, la bureau générale, salle d'attente, mon comme et Zalina droite. Salle d'attente, mon sousou, et Zalina, quand moi bâtiment, mon quai, ce qui est aux autres en entrée, et aux autres en entrée principale, n'a droite. Des salles d'attente. N'a réception, salle d'attente, et Zalité. Voilà des précisions, n'a pas ici. Alors, événement ya koloba kena mona ki bango na réception c'est à partir ya caméra ya surveillance na loba ki que mutoya ki eza Christian Ngoyi derrière lui il y avait l'adjudant Moulanga. L'adjudant Moulanga a kota ki même était na bureau a kitala ki kaka na porte et que na mona ki Moulanga tango bazonga na caméra et tango Christian fongu porte na mona ki Moulanga c'est ainsi Christian azo kitana ye Moulanga azo landa sima Bajaki Bazalaki na réception. Ndesika Bakabula qui est. Et Zali na réception. Parce que caméra et banda pour capter. Mais pour capter, on a commencé. Dengue Babanda pour se coacher. Yokuna na hangar. Non. C'est à partir de la réception. Ndesika Bakabula qui est. Donc on a. Jansi, Aya, Jansi. Moulanga. C'est l'âge de Moulanga. C'est ça, Jansi. Oui. Non problème. Nisi kwa mtoto kidogo,
ngai nazala mutu na major mulambo yuko nasema oyo major mulambo anasema anasema vita na yo ezali different alobi makambo ya yebi ya kusema kama aliona pa na kamera alobi amona kia una kamera ezali solote parce que makambo nyoso dosala ngo na garage parce que azali mutu prepare ye colonel nae na colonel fiscal te tokomina na garage te tozala na repanza na kopanza Jean-Si. Mon colonel. Zengela Ndengini Mukolowana. Monaki Monsieur Tchébéa. Vous avez un Zalaka na inspection en tant que chef de poste. Zalaka na bureau na moni. Mitukami balayé. Tang mitukami balayé na fou. Nathalie. Namoni, namonaka, lieutenant Gabriel, na Saddam, na Ergile Lunga, na Kayi, na Major Christian. Tango namoni na kepa na ye na PC Lusaku, salimo Major, ambirepo. Na zongi lisusu na Vandi. Na muke na Vandi, namoni aye alobi bolungwa awa. Tozali na masuluwa kusolola. Tolungwe, tokeye na sima. Nibu kende sima, tokeye na sima. Tovandi na sima wana, titi. Renyo na bango tango wazae kusolola. Nalubite na zongo, natala soki masuluwa ngo esili. Na zongi, natali pe masuluwa ngo babengani ngaite. Navandi wana, titi. Navandi. Namoni, namoni liboso na ngai colonel na Ngabo Jacques. Tango aye colonel atindi colonel la colonel Christian ngoi kenga atindi ngai alobi kende kuna likolo ozwa mupaya moko azali kuna nalobi te mon colonel kuna mutu azate agangeli ngai alobi wewe ndi kule haraka mutu iko kule. Yo kenemba kuna mutu azakuna nalobi avuzoro tango na matikuna nakee komona mupaya ngo bavandi na majoro ngoe mwilambo bavandi na majoro ngoe mwilambo tango na kome pa majoro na betelie lusaku na betelie lusaku nalobi salimu majoro basengi mupaya oyo kuna epa majoro kuna nase alobi sava nazwi mupaya wana ye liboso ngai na sima titi na komi nakuti bango na pesi bango mupaya wana kuti banani bango banani nakuti major Christian na bamugabo Jacques baza wana na bamugabo Jacques bamugabo Jacques na nani na Saddam na Kayeye na Ergil boy na pesi bango mupaya wana na zongi na biro na ngai na Vandi nde huyu ngai na mona mo colonel Jean-Si mo colonel ulobi omati oke kozwa mupaya o azaki na biro ya milambo boy chef bapesi yo mupaya wana yebisa biso bobimaki na biro ya milango tozalaki boy mupaya liboso ngai na se yazokende ngai mpe nazolanda azokita skalie epui ye mulambo azaki o mulambo azalaki na biro atikalaki na biro bie bokitaki na ye te natikaki nano na biro me awa uti kolokaki mulambo liboso epui mopaya epui ilozala na se te mo colonel te reprendre esiko malambo ezaki ndengeni bobimaki ndenge nalobi boy ntango batindi ngai kuna alobi kende ozwa mupaya oui osi okomi kuna oyebisie opesi losako o major naye kozwa mupaya oyo oui. Bon, sikoyo bobimaki ndenge nini na biro kuna po bokitaki na se apesi ngai mupaya na bimi mupaya liboso ngai na sima nazokolanda ye tozokende ye yeah, sikoyo azaki o colonel yewe mwilambo mwilambo
atikala kana biro. Yo akita kite. Bon, na yebite soki akita ki mokonzi. Yo zolo kitara muto, yebite soki muto, azasi banayo te. Te, mon colonel, na puki naza devant Dieu, naza devant justice, na koko sera muto te. Zabe na ngai kati ya biro. Présent chef. Atikala kina kati ya biro na ye. Boy. Yo mokonde ukita kina. Ngai nde na kitaki na mupaya wana. Mupaya. Boy. Mais il y a le vieux à Olo. Major. Tango va récupérer Chibéa, la bureau. Nani a récupéré. Il y a qui a récupéré Esa Christian Yemoko. Comment il y a mon acquis Bayaki mi balé Christian Liboso Yesima. Il y a Kota qui n'a pas de bureau. A Kota qui n'a pas de bureau. Na mugabo na colonel Daniel. Boye chef. Na ya tinda kio kende kuzwa mupaya. Mutu atinda kinga na kende kuzwa mupaya, ezali ngo krisa kenga kenga. Tango azo tinda yo. Daniel azalaki wana. Te, Daniel azalaki wana te. Tango na kitinda na kuti Daniel wana. Tango kitinda kuti Daniel wana. Boye chef. Go tango pesi wana, pesi mupaya wana na maboko ya Christian. Mutu kazi deja wana. Boye, mutu kazi raki wana mokorole. Bakoti se na mutu kana misu na yo. Nazomana na misu na ngai. Nere bakoti se na mutu ka. Yambwa wakoti se na mutu ka. Nde bakangaki. Aa, wana na mona kite chef. Wana na zonga kina. Nga ba matake kaka na mutu ka ngai na pesi mokwa mwana zongi na biro. Nga ba matake na mutu ka. Ba brutalize, ba kio brutalize. Yo si okei. Aa, wana na yebite chef. Wana na yebite mokorole. Donc, nere bakoti se na mutu ka. Boye. Daniel Azawa. Boye chef. Après, yo zongi na yo. Na zongi na biro, na fandi na ngai comme d'habitude, en tant que chef de poste chef. Mon collègue, na lingi na parce que mon tout aye kote ka chebe ya na biro, ezali Christian Ngoy. Moulanga, koma na kopi kondima, moulanga oyu ayati kote ka ye, aye bisangai ke Christian Ngoy atindi na ya kozwa mo, na linga ki na ndima te, parce que na yeba kete, Azali Mupaya, ya général John. Et que tant que Christian aille à Sengi, c'est tout à fait normal, parce que il y a un mutuana, il y a un récupéré, et pas d'angai, inquiétude, et ça l'a quitté. Donc, Moulanga Azo tâtonné. Le 1er juin, c'est une inspection. Oui, mon colonel. On a qui Monsieur Chebea. Tango à côté, tango à Bengi Bissou. Va venir à la carte Coco. Tellement à Zarakate, la Tozaga, il sera au Zaraka. Tango à Bengi Gaï, la Kobi Boy. Nandega, comment à la Monacaï. Bon, si quoi, vous allez qui vous la défendez ou vous allez qui l'entrée? Tenga nazaki na sezali na defender te. Alors, umona kile tangu, umona kile mukolwana major Milambo. Te major Milambo bazaga na babiro na bango na ba mukala iye na mona kaiti. Mona kaiti. Oui. Usiku chibea, umona kai ta wapi, avant que upake niko. Pour Kaboulé, pour Ménoté, on a dit à quel niveau? Dans mon église, on a
La véranda à l'inspection. La réception. Bazaki Nanan. Bazaki. Christian Kenga Kenga. Te Bazaki. Mukabujita ou Akitina Jansi. Akitina yena escalier. Bakumi la réception. De Kenga Kenga lui moutou. Bouanou zéle. Yo la bouche à vous qui n'aille du banda. Donc, yo monaki. Oui, tant que vous avez dit 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 que Yo le bi Jasmine de Zao Kitanae, Nassimo le bi Zala Kimia, Zala Kalma, pour ça la spectacle te. Loba Oyo yo monaki, pour changer te, oui. Pour le bi Jasmine d'Agnaï Kozoye, Akitaki, est-ce que à part Jansi, n'a osé bien un patron, Moutoussou à Zala Kiwana? N'a moins qu'à Jansi. Encore une fois, Tangu Bakitaki, oui. Je suis un patron de la maison. Nous avons suivi les déclarations des renseignants et de prévenus. Paul Milambo dit avoir vu sur le petit écran. Je voudrais poser la question à Doudou. Tango Chebea Bakiti nae bakomine wana. Pona kokota na mutuka. Azalaki kaboulet ou bien azalaki enfin menoté ou bien kagoul la menote wana ko tchekona kacha mutuka. Denge wiso to kitakana ne bakitakana chansi. Gande mutuna chake kraka. Thomas c'est la moto, Kazaï Kabouleté. Toke, Baki Kaboulé par lieutenant Jacques, na parking, na gare. Alors, Mataka la moto, na Kraka Pamba. Ok, merci. Est-ce que, comment le major, le conseil supérieur adjoint, Milambo, peut-il réagir par rapport à la déclaration tout à l'heure faite par Doudou Il? Et la question que, parce que caméra, et Zala qui n'a système, et Nango, Bango, Baïbi, Yango, Té. Basala qui d'abord mouvement y a brutalité. A outi koloba awa que bakanga qui est kraka libanda te na réception. Et kenga na lobaki il a été kagoulé ni noté à la réception. Donc même ceux qui a wangani que bakenga qui koskoche y est libanda, mais à l'obi devant ou que kraka bakanga qui est. À partir, il y a réception, il y a un système, il y a caméra, il y a surveillance, et il y a ça qui engage que il y a un mouvement suspect. Je viens de les confirmer que Kaboulé scotché s'était passé à la réception et non en dehors de la réception. Vous avez vu ça sur l'écran, vous dédouanez. Alors que les gens qui l'ont exécuté disent autre chose, quel intérêt devait-il avoir? Pour dire que s'ils avaient Kaboulé, ils devaient le dire, nous avons Kaboulé à tel endroit. Mais eux disent que c'est cette opération-là par Ménoté. Comment dire, ces deux opérations, les deux autres opérations ont été faites au garage.
Donc quelque part là, c'est peut-être vous qui ne dites pas la vérité à la cour. Parce que vous avez déjà dit ça. Que vous, vous avez vu comment on était en train de cambouler. Mais ces gens-là sont aujourd'hui devant nous. Et leur déposition concorde. Alors pourquoi seulement, comment dirais-je, ils peuvent être contre vous alors que jusque-là, eux disent la vérité par rapport à l'exécution. Et il a revenu. Bango nalandi todo alobi boy. Kraka atangiye na réception. Alobi très bien. Ngai na lobi ezala kraka ezala kagoul ezala magi na réception. Donc là, je ne peux pas y revenir. Je dis que nyoso ezala magi na réception, la cour va tirer la conséquence. Nous sommes, si je ne m'abuse, date, le 22 septembre, lors de la première audience où il a comparé. Lorsque Mugabo fait la narration des faits, je donne un briefing et puis je vais poser la question. C'est lui qui nous a appris l'opération scotché, cagoulé, menotté, ligoté, parmi les ligotés, cagoulé et ligoté. Scotché, excusez-moi, merci. Donc, ligoté, cagoulé et scotché. La cour a posé la question de savoir comment ça vient, à quel moment, combien de temps prenait cette opération. Il vous a dit que c'était une opération instantanée. Ça se faisait au même moment. Il n'y avait pas de marge de manœuvre. Nous avons la partie civile a fait poser la question de savoir comment saviez-vous procéder de cette manière. Est-ce que c'était une première fois que vous procédez de cette manière? Ou vous en aviez l'habitude parce que vous dites que vous l'aviez fait en quelque temps. Il vous a répondu, selon sa version de fait qui était un mensonge bien sûr, que c'était la première fois, mais que c'était le colonel Daniel qui leur avait indiqué comment faire. Peut-il reconnaître sa version de fait en cette date-là? Si je ne m'abuse pas, c'était le 22 septembre parce que j'ai vu mes notes. En termes de timing pour les deux opérations. Mima la kwanza mimi nafanya ile kazi. Mtu alinionyesha c'est Christian na mukala ya. C'est la première fois que je fais ce travail, c'est Christian qui m'a montré cela. Avec mukala. Na tena il pita na mna gari, na sema pita na mna gari. Sasa mimi nafika kwa reception. Sasa ngapi mambo yote ni nini pita ngapi? Bon, mimi siwezi kupreciser elle même hapo. Je peux pas préciser le minute, mais ça pas duré. Colonel Mukalai, mon colonel, le 1er juin, à l'inspection générale, vous y étiez à quelle heure que vous êtes parti, à quelle heure? J'y étais le matin, pendant la pause des 12 heures. J'étais sorti pour revenir vers 14 heures passées. Et je suis reparti pour ne plus y revenir. C'était au crépuscule, hein? 17h30 vers 18h. Et quand vous sortiez, est-ce que le major Milambo y était aussi à cette heure-là? C'est possible. Parce que, c'est que je sache, quelques minutes avant l'entrée dans mon bureau du major Christian avec Jacques Migabo. Il m'a téléphoné avec le téléphone du bureau, le fixe, pour m'informer de la présence de Chevrier. Et qu'aussitôt, Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Migabo. Je suppose que quand je suis parti, lui, il était là, je suppose. Est-ce que le major Milambe vous appelle pour vous informer que M. Tchébé est là? Il ne vous a pas dit qu'il venait pour le compte du rendez-vous avec le général Djoné? Moi-même, je savais que Tchébé devrait venir, mais j'étais sûrement surpris de constater qu'il est là. Alors qu'à un moment donné, quand je parlais avec lui, il m'a parlé d'embouteillage. Je l'ai informé. C'est lui qui vous avait appelé vers 17h25
pour vous annoncer, pour vous dire qu'il était pris dans un embouteillage, alors qu'il avait rendez-vous avec l'inspecteur général à 17h30. Est-ce que c'est vous qui l'avez appelé à 17h25 ou c'est lui qui vous a appelé? C'est Tchébéien qui m'a appelé pour me signaler qu'il était bloqué dans l'embouteillage. Oui. Et moi, je lui ai dit, ne te tracasse même pas, parce que le général n'est même pas venu au bureau. Voilà. En principe, il devait déjà être là depuis 17h25, parce que quand on vient à un rendez-vous, on arrive 15 minutes, 10 minutes avant. En fait, vous ne l'avez pas... Vous n'aurez jamais dû le faire, vous. Parce que les rendez-vous, c'était vous qui avez fixé les rendez-vous avec Tchébé. Depuis le 31, et puis vous l'avez confirmé, le premier vers 9h, autour de 9h56. Oui, pour les rendez-vous de 17h30. Après avoir parlé avec le chef de protocole. Vous aviez posé avant ça avec le chef de protocole. Oui. Vous savez que, vous dites que le rendez-vous a été annulé. Pourquoi vous n'avez pas pris l'initiative avant 17h30 d'appeler Tchébéa pour lui demander de ne plus venir? Non, l'annulé comme tel. Moi, j'ai eu l'information comme quoi le général Etienne Numbi ne viendra pas au bureau comme prévu. Vous comprenez? Alors, comme je faisais beaucoup de choses à la fois, je ne pouvais pas me rappeler qu'il y a quelqu'un qui doit venir rencontrer le général. J'ai oublié. Mais c'est lui, Tchébéa, qui m'a appelé pour me dire que je suis bloqué dans l'embouteillage. C'est lui qui vous appelle, mais c'était quand même un rendez-vous très important pour que vous oubliez de lui rappeler que voilà, le général ne sera pas au bureau ce jour-là. Le rendez-vous de Tchébéa par rapport au travail que je faisais, je ne sais pas si vous trouvez ça beaucoup plus important par rapport à ce que je faisais comme travail. Moi, je ne savais pas tout ce qui est arrivé par la suite. Le rendez-vous, bon, j'ai perdu de vue de lui dire que non, écoutez, ne viens pas parce qu'on me dit que le général ne va pas venir. Non, je ne me suis pas rappelé. Bien, on vous annonce quand même pas et à l'inspection générale. Vous savez que c'est vous qui avez fixé ces rendez-vous. Mais pourquoi vous quittez l'inspection générale de la police sans les voir et le dire personnellement, mais pourquoi vous arrivez alors que je vous ai appelé tout à l'heure pour vous dire que l'inspecteur ne sera pas au bureau? C'est payant pour moi. Tchébéa, c'est quelqu'un qui a sauvé le général John Numbi. Je considère que c'est son ami. Vous comprenez? Et que quand lui me dit que Tchébéa est là, ça ne pouvait pas m'interpeller outre mesure, dans la mesure où je ne savais pas ce qui était caché derrière. C'est sur un rendez-vous que vous avez fixé avec lui. C'est lui qui a fixé le rendez-vous. C'est lui qui a fixé le rendez-vous pour recevoir... Bref, vous apprenez quand même de Milambo que Tchébé est là, mais bon, vous sortez sans les rencontrer. Est-ce que lui, Tchébé, étant déjà arrivé au bureau du général Johnny Numbi, il est avec le commandant de sécurité du commissariat général, il est déjà arrivé là, malgré que moi je lui ai dit, je me suis dit peut-être qu'il a eu contact avec le général et qu'il lui a confirmé que je vais arriver au bureau, quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas chercher à trop savoir. Vous avez appelé les collègues Moukaré au téléphone lorsque Tchébé est arrivé à l'inspection. Après avoir su que Tchébé a été assassiné. Non. Donc quand vous avez vu qu'il était assassiné, vous ne l'avez plus appelé? Non. Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Parce que vous avez annoncé l'arrivée de Tchébé. Oui. Mais pourquoi vous l'avez appelé pour annoncer l'arrivée de Tchébé? Mais parce que c'est sur demande de Tchébé qui m'a demandé d'appeler le colonel Daniel Moukalaï. Mais lorsque vous apprenez que vous voyez qu'on vient de le tuer, pourquoi vous ne l'appelez pas? Vous annoncez que voilà les messieurs qui étaient venus par votre canal, on vient de l'assassiner à l'inspection. Mon colonel, ce jour-là, j'étais traumatisé de ce que j'avais vu ce jour. C'est le traumatisme qui a fait que vous ne l'appeliez pas. Exactement. Combien de collègues? Mon collègue. Est-ce que vous avez rencontré ou bien vous avez vu Tchébé à ce jour-là quand il est arrivé? Pendant qu'il était à l'inspection. Que ce soit au moment où il est arrivé ou. De toute façon, pendant le temps qu'il était à l'inspection, est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir? À ma vie, à la Robanque.
à part à Kinmazière, quand ils étaient arrêtés par l'ANR. Par Kinmazière, quand ils étaient arrêtés par l'ANR. Donc ce jour-là, du 1er juin. Je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas rencontré, ni le voir, je ne l'avais pas. Bienvenue, mon gars. Nkolowana ozwaki chebeya okotisie na mutuka omemie kote ya garage kuna. Tango ozwiye, nani azalaki na chebeya? Major Mulamba, azalaki nyoso misato. Vous avez suivi? C'est une comédie. Routine à garage kuna, oye na niveau à réception. Pour récupérer Chevea. Moi, je suis mon colonel. La liboso ya Nzambe, na miso ya mibeko na biso ya Congo. Ngai na mona mukalai na Christian Kenga Kenga. Afara kangé monsieur Chevea wana kraka. Donc mona ki colonel Daniel Mukalai. A vos ordres mon colonel, mona ke na za mona mkete pona ko selela ko zwali na vina ngai. Mon colonel. Oui. Oui. Vous dites que c'est lui qui vous a demandé d'appeler le colonel Mukalai. Oui. Il vous a demandé de l'appeler à 17h30 et 18h. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à vous demander de l'appeler? Parce que quand il était assis dans mon bureau, lui regardait vers la sortie. C'est en ce moment-là qu'il a aperçu le colonel Mukalai en bas. Et en ce moment-là, il m'a demandé de l'appeler en disant que je dois rencontrer le général John Numbi par canal. Donc à partir de votre bureau, oui. Il a pu voir une personne à l'extérieur. Oui, parce que les fenêtres et les rideaux étaient ouverts. Vous avez appelé pour vous annoncer que Chebeya était avec lui. Et vous étiez un peu surpris. Mais lui dit que quand il vous a appelé, vous étiez à l'extérieur. N'était pas dans votre bureau. C'est une question. C'est à nous de juger si c'est un petit détail ou pas. Vous répondez à la question. Patron, pour moi, quand il m'a téléphoné, j'étais dans mon bureau. Et qu'est-ce que vous avez dit? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Lorsque vous avez annoncé que tu avais été. J'étais quand même surpris. J'étais quand même surpris de constater qu'il est là. Malgré ce que je lui ai dit. Vous n'avez pas cherché à parler avec Chevea lui-même? Non, oui, mais, parce qu'il est déjà au bureau de celui qu'il est venu rencontrer. Je ne pouvais pas encore lui demander des choses comme ça. Vous dites que après avoir parlé avec le colonel Mukalai, oui. Bon, il vous avait semblé surpris, oui. De la présence de. Vous confirmez cela? Oui, j'ai été confirmé. Alors, lorsque vous avez vu ce mouvement brutal, oui. Au niveau des caméras de surveillance, oui. Ce qui vous a poussé à descendre pour vous enquérir de la situation de ce visiteur, oui. Qui était en train de brutaliser, oui. Est-ce que vous avez vu Mukalai? Il n'est pas. Il était tout dans le bâtiment, il était tout dans son bureau, il était déjà parti, il n'était pas là-bas. Mon colonel, je répète encore, après avoir parlé avec le colonel Daniel Mukalai au téléphone, il est sorti. Il est sorti de l'enceinte. De l'enceinte, oui. De l'inspection générale de la police. Exact. C'était aux environs de quelle heure? Jeudi, entre 17h et 18h. À ce moment-là, vous avez dit qu'il y a un bâtiment bâle. Bon, mon colonel. Yo, mon ami, il va faire ma vie. Bon, mon colonel. N'a pas autant de vous tout dans. Yé, mon. Déba, organisez le voyage à Chebe. Déjà, tu as un élément à Déba. C'est sa réponse à Moutouna à tout niveau. Est-ce que vous avez un qui naïe? Vous avez qui naïe? Yé, mon calvaki, à la garage. Azaratiwana. Bilo, pas un baki, à mon ami, à la caméra. Zarokota. A quoi préciser ma caméra 5 minutes à Zosara opération et même. Bisson, Kao, Bisson, il m'a appelé ça qui Bisson, parce que voilà. Azarikiwana, Vangonio, Sola Zarikiwana, Natamu Tobimi, Amata Mouka Christian,
et puis na roba pa ngote akita na barabara akita go na ngone na pote akitambo bana akitambo uzao bana akitambo non non gaya fanda ngote tambo tukuma ya senda na ndapo na kozonga to kana ndapo to bana bana ndapo moto de votre dernière audition, vous aviez dit qu'autour des 17h, lorsque Christian Boitenga Kenga et Migabo avaient fait irruption dans votre bureau pour intercéder auprès du général John Numbi, ils vous avaient coupé les téléphones. Le général John Numbi, oui. C'était à quelle heure? Donc vous confirmez que c'était autour des 17h. À laquelle le major Christian et Louis-Jacques Mugabo sont entrés au bureau. C'était, je crois, au-delà de 17h30, quelque chose comme ça, avant que je ne puisse partir. Donc ce jour-là, vous n'avez plus de contact avec lui? Avec qui? Avec le général John Numbi. Quand vous avez coupé le téléphone, vous n'avez plus de l'appeler. Je l'ai appelé pour l'informer que... Parce que quand ils étaient dans mon bureau, quand j'ai parlé avec le général, je n'ai pas eu le temps de lui parler de leur requête, de leur réclamation, parce qu'il m'avait interrompu, il m'a coupé. C'est quand je suis arrivé à l'hôtel, au restaurant à Belize, je commençais à réfléchir sur son attitude de me raccrocher au nez. Je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas m'indexer parce que j'ai semblé être contre, j'ai semblé naviguer à contre-courant, est-ce qu'il ne va pas m'indexer? Alors je me dis, bon, il faut quand même que je me rachète. Je fais quoi? Je pose le problème que les autres m'ont dit. Comme ça, je veux profiter de l'occasion pour voir son attitude. S'il va décrocher ou pas. C'est là que je l'ai appelé pour lui parler de leur requête. Et après, il me dira qu'il va instruire sa caissière. Quelle était la nature de leur requête? Répétez. Leur requête, Christian et Jacques Mugabo m'ont dit ceci. Le général nous a donné mission de tuer Tchebeya. Nous sommes sur le point de l'exécuter. L'argent avait été disponibilisé pour cette mission que nous sommes au point d'exécuter. Combien d'argent? Il me parle de 40 000 dollars qu'on a remis à qui? Au colonel à l'époque, Jean-Claude Yard, actuellement général, commandant, chef d'état-major général de l'agent OPS. Moi, je dis, Tchebeya va mourir, doit mourir. Je dis, oui. Moi, je lui dis, ne faites pas ça. Il me dit, parle au général. Il semblait mécontent. Pourquoi? Parce que lui, Christian, m'a dit. D'ailleurs, Tchebeya devrait mourir bien avant, parce que lui, il est tireur d'élite. Mais il ne voulait pas le faire parce qu'il a exécuté des missions similaires précédemment. On lui a fait des promesses non réalisées. Alors, comme nous sommes sur le point, essaye de plaider pour nous, pour nous donner ne serait-ce que ce montant-là. Nous, on est prêts d'exécuter ça. Moi, je lui dis, ne le faites pas, non, appelle le général. Regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. Il me montre le téléphone de... Son téléphone sonne, c'est le général qui est en train de l'appeler. Ça va scandaliser. Donc, j'étais informé que Tchebeya allait mourir. Quelques minutes avant sa mort, oui, j'étais informé. Le contact que vous avez avec les général cette journée-là, est-ce que vous avez dit, après qu'il vous ait raccroché, autour des 17h30, 18h, vous l'avez appelé une fois pour transmettre le message de l'autre. Mais dans les relevés de vos appels avec les gérants cette nuit-là, cette journée-là, il y a plusieurs appels à partir des 17h. J'ai noté 5 appels entre vous et les gérants de l'autre. De 17h30 jusqu'à 21h. 15 minutes. Il y a à peu près 5 appels entre vous et les gens. Ils appellent depuis 10 minutes. C'est par rapport à ce que vous avez dit, que non, voilà, ils m'avaient raccroché au nez, mais on a vu, il y a plus de 5 appels entre 17h30 et 21h. 5 appels entre vous et les gens. La comtesse d'appel de pas moins d'une minute, les 5 appels.
Qu'est-ce que vous dites, Soussé? Avoir contacté le général John. Avoir contacté le général John. Non, mais ça, je n'ai pas nié. Oui, mais c'est quand même beaucoup d'appels pour quelqu'un qui vous a raccroché au nez à 17, autour de 17h30. Oui, mais quand il me raccroche au nez, cela ne veut pas dire que comme il est notre chef hiérarchique, cela ne veut pas dire que s'il y a un problème, je ne peux plus l'appeler. Je suis obligé de l'appeler. Et il n'y avait pas que le problème de Tchébéa. Il y avait aussi d'autres problèmes. Vous vous souviendrez que... S'il vous plaît, monsieur le président, vous permettez. Vous allez vous en souvenir que j'étais président de la commission mixte de sécurité. Et en même temps, j'étais président de la commission tolérance zéro. Ce sont deux commissions distinctes, différentes l'une de l'autre. Et je traitais beaucoup de dossiers et des dossiers assez importants. Lesquels dossiers ont amené le règlement des comptes que j'ai connu dans cette affaire. Ça, c'est un autre détail important que j'aurai le temps de vous le dire. Ok, mon colonel. Christian Kenga Migabo vous demande d'intercéder auprès du chef. Vous l'avez fait, il refuse de vous répondre, c'est ça? Oui, mais raccrochonné, il m'a dit ceci. Il était quelqu'un qui travaille avec la CIA. Or, quand il m'a raccroché comme ça, moi je me suis amoqué dans mon cœur, j'ai rigolé. Je me suis dit, lui le général John Numbi, quand il est venu à la police, ses prédécesseurs, les généraux Kifwa, les généraux Kachouva, ont laissé un budget conséquent de la présidence de la République pour le compte de notre direction, rubrique FCR. Mais lui, quand il est arrivé à la police, il a commencé à tout. D'abord, il nous a interdit qu'on ne doit plus, l'argent ne doit plus transiter directement par notre direction. Je continue, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est très important, monsieur le président. Ouais, très important. Il a commencé à nous donner que 5 000 $ pour toute la République. Il détournait. Non, c'est ce qui justifie son comportement. Non. De refuser quelque chose de beaucoup plus professionnel. Donc, et alors, après, vous avez pu avoir l'argent qui venait quand même du général, de l'inspecteur général. Oui, la caissière. Oui. Pour me localiser, j'étais où? Je lui ai dit que j'étais au restaurant Adélice. Elle me dit que le chef m'envoie auprès de vous, le général. Moi, j'ai dit, ok, je suis là. Ne traîne pas. Il me dit, je m'excuse, j'étais à l'église. Elle est venue, elle m'a remis l'enveloppe. Quand j'ai vu l'enveloppe, le montant qui était dans l'enveloppe, par rapport au montant que eux m'ont parlé, ça m'a donné matière à réflexion. Je commençais à me dire, tiens, ça c'est l'argent qu'il m'envoie pour acheter mon silence ou quoi? Je commençais à réfléchir comme ça. C'était combien? 2 500 $. Commissaire supérieur principal, c'est ça? Oui, les autres peuvent rentrer. En quelle langue vous voulez être en français? En français. Soyez à l'aise. Vous êtes juste pour apporter des renseignements utiles pour la manifestation de la vérité. Et vous êtes astreint à dire la vérité sans préalablement avoir prêté serment. Ok? Monsieur supérieur, je ne sais pas, Mbeye Mutamba Rachel. À votre voix, Mbeye. Mbeye Mutamba Rachel. Iteki, chef de département sur affaires sociales. Bien. Adjoint. Faites un effort de vous replacer à la date de. Et à cette date-là. Vous avez eu à remettre l'argent
au colonel Moutaraï. Le 1er juin 2010, je connais, parce que le 1er, je ne vais pas oublier, c'est chaque 1er du mois, on fait la dédicace de moi. Alors, j'étais au bureau toute la journée, comme les chefs, tous les chefs n'étaient pas là. Arrivé à 15h, je vis le cortège des chefs rentre. Il y avait le général Alouraboni, aujourd'hui général Alain et le général Saint-Germain. Mon chef n'est pas venu, alors je vais profiter d'aller à la prière. Après, ils sont entrés et puis sortis. Je dis, je profite. C'était vers 16h30 maintenant. J'ai profité, j'ai sorti, arrivé au niveau de l'église qui m'anguiste, parce que je partais à Bandal, chez mon église. Arrivé à l'église de Kimbanguiste, j'ai vu l'appel de colonel Mokalaï. Il m'a appelé, il dit, capitaine, tu es où? J'ai dit, je n'aime pas me demander comme ça. Pose la question. Il a dit, yo Rachel, là je parle à la soirée comme il disait, pourquoi vous allez à la Kaboué? J'ai dit non, Nazo Kende, église. On ne t'a pas donné l'ordre de me donner l'argent? J'ai dit non, je n'ai pas cet ordre. Oh, il faut me donner l'argent. J'ai dit ok. Comme le consigne est que si on t'envoie l'argent, prends de l'argent chez moi. Il faut que le général lui-même m'appelle. Après, moi je te sers, je suis trésorier. Ok. Je lui ai dit que tu appelles le général, tu m'appelles. Yo, yo, raté, ma vie, je pars à l'église. Tu vas quitter à quelle heure, ma vie? Je pars à l'église vers 19h30, on va terminer. Je suis parti. Arrivé à l'église, je voulais entrer, je l'appelais encore. Yo, Rachel, jusque-là, on ne t'a pas encore appelé. J'ai dit non. Dans côté de l'église, on a grandi le téléphone. Maintenant, quand je suis fermé le téléphone, on a terminé la prière à 19h. Quitté seulement l'église. J'ai vu le numéro de. Le colonel Moukala, il m'appelle. Rachel, tu dis quoi? Jusqu'à présent, je viens de quitter l'église. Yo, yo, kakate, ça, non, plus, ça n'a bon, la zone, ça m'a sala. Merci. Après 5 minutes, j'ai vu le téléphone du général, m'appelle. Oui, mon général. Tu es où? Je dis, je viens de quitter l'église. Ok. Va servir au colonel Daniel Moukalaï 3200 dollars. Merci. Alors, arrivé, je l'appelle. Mon colonel m'a donné l'ordre. Viens vite, je suis au délice. Comme mon travail, je me promène partout avec un petit montant. On peut t'appeler, il y a l'urgence ici, avec le carnet de récit. Alors, je suis arrivé là-bas, je l'ai appelé, c'est la première fois d'abord d'entrer là-bas. J'ai dit, oh, c'est comme ça ici, eh bien. J'ai dit, je suis là, tu veux quoi? Il dit, oh, donne-moi l'argent. Dit, ok, merci. Le général m'a dit qu'il te donnait 3200 dollars. Je lui ai posé, parce que si on t'envoie, c'est moi qui vais te poser la question. Les motifs, c'est quoi? Et j'ai posé la question au colonel Moukalaï. J'ai écrit pour qu'il signe, j'ai dit, motif, c'est quoi? Il a dit, non, c'est le fonds de recherche. J'ai donné 3200 dollars, il a signé. Je prends la route, je l'avais d'ailleurs provoqué, j'ai dit, aux autres, ça m'a la boutou, boy. Tu peux me donner quand même, même carburant. Il a dit, hé, ils ont mon nom, ils ont mon sale, c'est tout. Alors je suis sorti, je suis parti, c'est tout. Colonel Moutala. Bon, colonel. Vous avez à dire par rapport à cette version-là? Oui. Les autres détails là, qu'il a donnés avant moi de la contacter, ce sont des balivernes. Et puis, le montant dont il me parle, à moins qu'elle confonde, moi, il m'a remis 2500. Voilà les deux détails que je voulais préciser là-dessus. L'inspecteur général vous a dit pour quel motif vous allez remettre l'argent. Peut-être vous venez chez moi, tu peux dire non, c'est achat, peut-être achat braise, achat farine. Et moi j'ai écrit achat. Le motif que tu vas me donner, c'est le motif que j'ai écrit. Le général donne seulement l'ordre, donne-lui l'argent. J'ai un papier, je suis en train de noter. C'est ça. Peut-être mon colonel a oublié, c'était 3200 dollars. Et puis, quand vous regardez même les appels, c'est lui qui a commencé à m'appeler à 16h37 minutes. Quand j'ai parti à l'église. Arrivé encore après 10 minutes, il m'a appelé, mais il attendait maintenant l'ordre des générales qui m'appelle parce qu'il connaît lui-même.
Quand il m'a appelé pour la troisième fois, maintenant c'est le général qui m'a appelé. Moi aussi je l'ai appelé, j'ai dit maintenant je suis prêt. Je lui ai donné l'argent. Monsieur le Président, je suis tenté de confirmer et j'insiste. Je n'ai jamais été avec Amitenge. Il parle de 2008 ou début 2009. Avec quel véhicule? Avec quel véhicule? Avec quel type de véhicule, tu précises? Avec quel type de véhicule en 2008? Vous étiez où en 2008? Vous avez quelle fonction en 2008? Commandant Batonpe. J'étais commandant Batonpe. Il avait quel véhicule? Préciser le véhicule. Il avait un véhicule. Il avait un véhicule. Je précise rien que seulement lorsqu'il est venu me récupérer à l'inspection, il avait des jeeps. Et double cabine couleur rouge. Pas de 2008 quand là. Vous étiez parti. Alors, nous nous retrouvons en 2010 quand il vient vous chercher oui. À l'inspection générale oui. Pour vous amener à l'auditoire. Oui. Vous avez dit que quand il est venu chez vous chercher, c'était avec un véhicule de la police militaire. Non, c'était le véhicule civil couleur rouge double cabine. Donc il avait un véhicule civil. Civil. Air body rouge bordeaux. Double cabine. Nissan. C'était un véhicule civil. Oui. C'était le général Pondé, l'auditeur général, qui m'avait appelé pour aller le prendre au commissariat général. Oui, là. Mon colonel. Bon, lorsque vous êtes dans le véhicule, vous aviez combien de personnes avec vous, en dehors de lui? Les chauffeurs, moi-même, des officiers derrière, lui, il était au milieu. Alors, pendant l'élection générale jusqu'à l'auditorat général, est-ce que vous avez parlé avec lui? Non. Vous n'avez à part pas... les bonjours, quand je l'ai pris en général, en cours de route, pas un mot. Aucun entretien. Non. Est-ce que vous pouvez dire à la officier qui vous avait accompagné ce jour-là lorsque vous l'aviez pris? Quand le général Ponde m'avait appelé, j'étais dans mon bureau. D'habitude, on prend toujours à l'unité piquée. Ça fait très longtemps, presque plus de 10 ans, 11 ans. Donc je n'ai pas l'idée, mais néanmoins, mon chauffeur. J'ai changé de chauffeur, j'étais avec un chauffeur. Le camp d'appel, j'étais avec lui. Les officiers, c'est... Et le chauffeur, c'était qui? Lukanga. Pardon? Lukanga. Il est là actuellement? Il est toujours ici? Non, il est mort quand il est mort il y a le mois passé. Hein. J'étais en prison. Ah, il est décédé? Il est décédé le mois passé. C'était le mois d'octobre, je ne me trompe pas. J'étais en prison. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit à la haute cour en sa présence, l'échange que vous avez eu avec lui. Tu permets. Prévenu, renseignant Djadidja, on vous dit d'aller le prendre. Qu'est-ce que vous l'avez pris entre les mains de qui et qu'est-ce que vous lui avez dit? Il est trouvé au commissariat général de la police. Entre les mains de qui? Il était aux mains des officiers. Il y avait les gardes corps, si je ne me trompe pas, du général Bissénimano. Et si je me rappelle très bien, ça peut être le colonel Moupipé, si je me rappelle très bien. Et je suis arrivé au commissariat général, je me suis renseigné que non, je viens voir le général Bissénimano, puisqu'il y a l'auditeur général qui vient de m'envoyer pour récupérer quelqu'un ici. Et on me dira, d'ailleurs, on vous attendait. Il est au maître des officiers. Nous sommes entrés, on me l'a présenté, je lui ai dit bonjour, je l'ai pris dans ma jeep et je suis parti avec lui directement dans le bureau de l'auditeur général. Vous le dites pas pourquoi on le prend. Vraiment, c'est comme un colis, prenez, déposez. Vous ne vous êtes pas posé la question. Un grand commandant, l'auditeur général qui me dit... Calmement, calmement. Monsieur le Président,
je suis un grand commandant. Et le commandant police militaire, j'ai l'expérience. On m'a appelé par le général Pommier. Et va prendre quelqu'un qu'on cherche. Au commissariat général. Tu le prends auprès du général du Seigneur. Tu viens avec lui dans mon bureau. Je suis allé. Je suis arrivé au commissariat général. Je me suis présenté. Ils m'ont dit. On m'a dit non. On vous attendait. Le monsieur est là. Je suis entré au milieu des officiers. J'ai dit, c'était moi là. Je l'ai pris directement dans le bureau du général Pombe. Un point bas. De la cour qui vous a été posée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant le trajet? Oui, nous nous sommes demandé d'abord. Est-ce que dans ton téléphone, il y a le numéro du général Johnny Mbombi? Je lui dis oui. Il faut effacer ça. Je dis, je ne peux pas effacer ce numéro. Alors pendant qu'on partait vers l'auditorat militaire, si je ne me trompe pas, le général Johnny Mbombi avait appelé deux fois. Et le général Pondé avait appelé deux fois. Parce que la façon dont il parlait, vous allez comprendre qu'il parlait avec le général Johnny Mbombi. Parce qu'avant d'arriver à l'auditorat, je l'ai entendu en train de dire au général Pondé, on n'est pas loin, on est tout près. Comment vous avez su qu'il parlait avec le général Johnny Mbombi? Vous savez, quand quelqu'un parle avec quelqu'un que tu connais, tu vas sentir qu'il parle à quelqu'un. Ah bon? Et vous avez senti ça avant? Oui, je l'ai senti parce qu'on se connaît très bien. Ce téléphone, c'était en main libre? Non, ce n'était pas en main libre. Ah, vous avez su ça avant? Mais la façon dont il parlait, j'ai compris. De quelle façon? Vous savez, je ne sais pas comment mon collègue, je peux expliquer. Il y a quelque chose qui est comme intuition. Si quelqu'un parle ou te comprend directement, il parle à terre. Bon, la suite, maintenant le change entre vous. La suite, il me le dit que, écoutez, Moulin, il ne faut pas dire tout ce que tu as vu. Tout ce que tu as vu, il ne faut pas dire. Dès que nous arrivons déjà devant le général Pondé, il ne faut pas parler de quoi que ce soit. Là, il est en train de me préparer. Qu'est-ce que je veux dire? Je lui dis, moi, mon colonel, moi, je ne suis pas un petit-fils. Moi, je suis un officier. Je sais pourquoi je suis sorti. Parce que je suis recherché par la justice. Je sais que si on m'attrape, on va me tuer. J'ai décidé de me rendre moi-même. Et là, il m'a dit que dès que nous arrivons à l'auditorat militaire, on va vous interroger, faites comme je vous ai demandé. Et d'ailleurs, je vous rappelle, tu te rappelles les jours où vous êtes venu avec Christian Amitel, je dis oui, c'est là où on a enterré les compagnons de Bazane. Mais c'est Christian qui m'a appelé cette nuit pour me dire, serve-nous l'endroit pour enterrer. J'avais refusé, mais j'avais reçu l'appel du général Mbombi me disant qu'il faut céder ta parcelle pour enterrer la personne. C'est ce qu'il me l'a dit dans la voiture. Et arrivé, on n'était pas parti directement au bureau du général Pone. Parce que le général Pone n'était pas encore arrivé. On est resté à la salle d'attente. Là où on a trouvé un major, un pétain clair qu'on avait trouvé là-bas. C'est là où nous étions restés. Lui et moi jusqu'à l'arrivée du général Pondé. Je suis commandant. On m'appelle par l'auditeur général, prends-nous quelqu'un qu'on cherche. Et je vais m'hasarder de parler avec lui. Et en se dirigeant vers l'auditorat général. Et je vais lui parler quoi? Je ne connais rien. Qu'est-ce que moi je vais lui dire? Moi, je me suis limité à les prendre et l'amener chez le général Pondé. Monsieur le Président, je ne peux pas m'hasarder à citer un nom d'un grand magistrat comme le général Pondé. Je ne peux pas m'hasarder ou s'amuser avec ça. Non. Je me suis limité. Je l'ai pris du commissariat général jusqu'à ce que le général Pondé un point bas.
je suis arrivé. Je n'ai même pas fait 5. Je suis arrivé, je l'ai salué et le voici. Il m'a dit, ok, merci, rentrez. Je suis rentré, un point, pas. Des rencontres à l'occasion du service. Est-ce qu'il a déjà été chez vous? En privé, non. Là, maintenant, je me rappelle qu'il lui fallait une équipe qui devait faire effectuer une mission à Kisangani. C'était dans l'affaire fermée. Et il manquait quelques cratas. Et j'avais 3 cratas chez moi à la maison. Nous sommes arrivés, c'était un. J'ai pris le crata, je l'ai rappelé, et ils sont partis à Kisangani. Ça, c'était toujours dans le cadre du service. Du service, dans la grande commission mixte. C'est lui qui dit qu'il a déjà été chez vous. Il a cité le colonel Moupépé, qui, à notre connaissance, il est de la Direction Générale des Renseignements et des Services, des RGS. Confirme-t-il qu'il l'avait aussi trouvé là, sur place, à l'inspection générale, le jour où il l'a accompagné pour amener les prévenus Moulambo jusqu'à l'auditorat général? Je vis mon pépé au commissariat général. Mais quand je suis sorti à travers les rétroviseurs, je vis la jeep d'escorte du général Sengimana qui était derrière nous vers l'auditorat général. Officier général de l'armée qui a suivi des formations. Il a été appelé par l'auditeur général pour prendre. On peut l'appeler détenu, parce qu'effectivement, on lui a dit, la personne qu'on recherchait, on l'a trouvé au commissariat général. Lui qui est formé, lorsqu'il quitte, ne savait-il pas qu'il y avait une autre équipe qui devait l'accompagner jusqu'à l'auditorat général, où il n'est là aperçu qu'au travers du rétroviseur. Où il le savait déjà en quittant le commissariat général, qu'il devait partir avec une équipe du commissariat général, de l'inspection générale en l'occurrence, de Colonel Moupépé, entre les mains de qui il avait trouvé, parce qu'il a dit qu'on lui avait présenté M. Moulambo. Et c'est la personne qui lui avait présenté M. Moulambo, et c'était le Colonel Moupépé. Comment ne sait-il pas que c'était cette même équipe qui l'avait accompagné jusqu'à l'auditorat général? Et après ça, je vais chiffrer avec ma dernière question. Oui, M. le Président. Mais le système de couverture et d'escorte, moi, j'ai reçu une mission et je peux même confirmer que j'ai été réquisitionné par l'auditeur général. Quand il m'a appelé, va prendre terre, c'est déjà une réquisition. J'ai pris Mouilamoué et mon problème c'était vers l'auditorat général. Mais le système de couverture et d'escorte, ça fait ça. Moi, je devrais exécuter ce qu'on m'a demandé par le directeur général. Si la réquisition d'aller prendre le prévenu sous-présent était une réquisition verbale ou écrite. Monsieur le Président, c'était verbal. Il y a des ordres dans la main. C'était le général. C'était l'auditeur général, le général Pondé. Il m'avait appelé et allé prendre Moulambo au conseil. Le renseignant tous les renseignants seront là. Et nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Nous nous retrouvons mercredi prochain, l'audience est levée. Arme ! Immobile ! Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, l'audience de ce jour est levée. En faisant le bruit, colonel. Allez, prenez des bandages.